nouvelle étape de montagne était au programme entre Olomouc et Pustevni sur cette deuxième étape du Tour de Tchéquie, 163,4 km. Et après 50 km de course, environ 4 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Zahalka, qui était déjà à l'avant de la course hier, Appers, Perry et Stosek. Leur avance est montée à plus de 7 minutes sur le peloton, emmenée par les équipes notamment Bora Hansgrohe et Uno X. L'écart va ensuite fondre après la première ascension de la montée finale. Et finalement, les 4 hommes de tête vont être pris avant d'attaquer l'ascension de 8 km à 6% de moyenne pour permettre de faire la différence. Et c'est l'Allemand de 22 ans, Florian Lipowitz, qui s'est imposé. 6e du Sibiu Tour il y a quelques semaines, il devance Per Stan Hagenes, le vainqueur du Baby Giro. 3e, Anders Johannessen. Et voici donc le podium avec le nouveau leader du classement général, puisque c'est bien sûr Florian Lipowitz qui prend les commandes avec 6 secondes d'avance sur Per Stan Hagenes. Ciao tout le monde.